Bonjour à tous, c'est Alex, bienvenue pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, vidéo d'explication de la side quest, donc on regarde la side quest, on la découvre. Si vous avez vu ma vidéo de la mise à jour, je l'explique en gros sur comment elle se porte, sur quoi elle va porter, comment faire un peu, comment le tout fonctionne. Donc on regarde ensemble comment faire et aussi comment faire pour réussir les différentes missions supplémentaires qui va vous faire gagner un maximum de points. Alors, première des choses, ici dans l'onglet spécial, vous avez des objectifs de reprogrammation Sentinel Prime légendaire. Je ne sais pas si ça va avec vos titres, mais peut-être que vous allez avoir d'autres récompenses si vous êtes cavalier, par exemple, ou incollectable. Laissez-moi savoir en commentaire si jamais c'est le cas, si vos récompenses sont différentes. Et en quoi elles consistent? C'est bien simple. Vous devez vaincre America Chavez en utilisant une championne dans la quête secondaire reprogrammation de Sentinel Prime en difficulté légendaire. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est vraiment les 8 championnes que vous devrez vaincre dans la side quest. Donc, Kitty Pryde, Angela, Ella, America Chavez, Medusa, Gwenpool, Penny Parker et Quake, en utilisant des championnes pour gagner autant des éclats de cristal de femmes puissantes et différentes récompenses comme du T4C, des éclats mythiques, des éclats 6 étoiles, ensuite Alpha 2 ou TB5, donc un sélecteur du T5C et des pierres spéciales, 6 étoiles. Donc, jusqu'à présent, c'est très très bien. Ensuite, ici, vous avez quelque chose. Femme puissante, un événement qui dure 27 jours. Et avant de regarder les points, vous avez des éclats de cristaux. Simplement, uniquement que des éclats de cristaux. Aucune récompense de classement. Et comment faire pour gagner des points? Vous devez gagner des combats en utilisant des championnes. Et vous allez gagner plus de points si vous terminez votre combat avec un SP3. Et si vous gagnez un combat avec une championne 6 étoiles. Donc, vous allez pouvoir chercher un max de 350 points par victoire. Donc, on voit déjà que j'ai cumulé 775 points suite à quelques combats que j'ai gagnés déjà. Alors, voici ce qui explique les petites phases de la side quest. Donc, vous avez des récompenses dans les événements solo. Il faut gagner des combats avec les championnes. Et onglet spécial où vous devez gagner les différents combats avec des championnes. Maintenant, reprogrammation Sentinel Prime. Allons voir la difficulté légendaire et lançons un petit aperçu, voir ce qui est disponible, ce qui n'est pas disponible. Donc, vous avez deux chemins, donc deux boss. Vous allez avoir un Mephisto avec la borne Icar. Donc, les trois, je crois que c'est la borne Icar. Parfait. Ensuite, America Chavez. Un merci tout spécial à Kabamstead. Retour en force, lorsqu'elle est sous les 30% de sa santé maximale, America Chavez devient super chargée. D'accord, relation à distance, donc debuff d'affaiblissement si je suis trop près d'elle. Prendre position, le défenseur a une protection indéfinie réduisant tous les dégâts encaissés de 90%. Tombe en temps de recharge pendant 15 secondes lorsque renversé. Pas si mal. Relancer la balle, lorsque le défenseur est renversé par une attaque puissante ou par un super pouvoir, il devient immunisé au debuff pendant 8 secondes. Donc là, ça peut devenir embêtant. Mais je vois que une torche pourrait très très bien faire le tour. Sinon, nous avons peut-être différentes options. Et pour ce qui est aussi, il faut vaincre les championnes avec des championnes très importants.
pour aller chercher les objectifs spéciaux. Envahir et recharge. Donc, lorsque bloqué, l'adversaire va gagner en pouvoir. Et pendant qu'il bloque, eh bien, on fait de très, très gros dégâts dans la garde. Donc, même chose pour ces trois persos. Et pour ce qui est de Ella, merci à Kabambu pour ce combat. La reine de Elle, elle a 100% de chance de régénérer instantanément, 20% de santé juste avant d'avoir été mis KO. Transducteur, le défenseur apporte plus de pouvoir lorsqu'il est frappé, mais sa présence draine le pouvoir. Léthargie, recharge, envahir, qui s'y frotte, s'y pique, et les effets de purge de l'ennemi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bornes à prendre en compte. D'accord. Alors, allons chercher une équipe. Donc, je crois que je vais mettre ma vidéo de Doom 6R4 très rapidement avant l'apparition de cette vidéo pour ne pas spoil ceci. Mais j'ai tout récemment, suite à un défi de Karina, mis Doom 6R4. Donc, très, très, très content. Alors, allons chercher Ghost, Kitty Pryde, Tigra. Ensuite, qui d'autre pourrait être intéressant? Alors, je crois que nous pourrons aller sur cette équipe surpuissante pour les deux chemins, tout simplement. Alors, j'ai le goût de commencer par le chemin envahir. Donc, pour ce qui est de Yondu, allons-y avec Doom. Donc, envahir, on doit taper dans le bloc de notre adversaire, mais pendant ce temps, il gagnera en pouvoir. Alors là, et le gain de pouvoir est assez important. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire très... Ah, oh, non, non, non! Aïe, 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 OK. Donc, ce que je pensais... Il faut éviter de faire des parades et de réussir à lui lancer des SP dans le bloc. Donc, voilà. Alors, très mal débuté comme combat, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ensuite, nous avons Elsa Bloodstone. Allons-y. Allons-y avec Hercule. Ce qui pourrait être très, très bien. C'est de lancer un SP dans la garde aussi. Surtout pour des champions qui, par exemple, auront des chances de faire des critiques au travers le bloc. Et voilà. Donc, il suffit de prendre la main pour réussir à faire le combat sans trop de problèmes. Ensuite, nous avons Antivenom. Donc, Antivenom. On va continuer avec Hercule. On fait de très bons dégâts dans la garde. Il faut qu'il recule un maximum et qu'il bloque. Mais pour
pour l'instant, il semble être très agressif. Ah, et je prends le SP3. Donc, c'est ce qui est peut-être un peu risqué à faire de ce combat. Donc, la borne envahir, c'est très très bien. Mais avec la borne recharge, ça peut devenir très rapidement embêtant. Ensuite, nous arrivons à Ella. Et on doit prendre nos championnes. Recharge, envahir, qui s'y frotte, s'y pique, léthargie, transducteur. Essayons avec Tigra. Je suis bien curieux de comment le combat va se dérouler. Oh non, et je prends le SP1 direct en partant. Donc, parade, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur ce combat. Alors, ça rend pas la chose très simple. Mais allons-y avec Kitty Pryde au final. Et je crois que nous allons pouvoir faire des petites merveilles avec elle. On doit faire très attention aux coups dans la garde, aux attaques bloquées. Et je sais qu'elle va régénérer 20% de sa santé lorsqu'elle devra être KO. Donc, je ne sais pas s'il va devenir irrésistible avant ou après. Et voilà, donc elle a régénéré, elle est devenue irrésistible. Et on met KO avec le SP3. Donc, en plus de gagner le combat avec une championne 6 étoiles, on termine avec un SP3. Donc, on va chercher un maximum de points pour l'événement spécial. Alors, voilà, on reçoit des éclats mythiques. On récupère le coffre. Donc, dans le coffre, à voir ce qu'il y aura. Et c'est vrai, j'ai oublié que il y avait Scarlet Witch à vaincre, donc nous n'avons pas regardé sa borne. Alors, l'espère pouvoir 1, espère pouvoir 3 des défenseurs sont bloqués. Donc seulement des SP2, tous les SP sont imbloquables, puissants. Le défenseur est immunisé à toutes les manipulations de pouvoir. Snack puissant. Le prochain buff déclenché va lui donner du pouvoir. Conflictard, le prochain debuff déclenché. OK. Donc, allons-y avec Kitty Pryde. Ça devrait très bien aller. Je crois que Ghost, avec Synergy Hood, pourrait être très, très bien aussi. Je crois que même peut-être la synergie n'est pas nécessaire. Le poison fait plutôt mal.
Et on ne termine pas avec les SP3. Donc, on va chercher 150 points de moins. Mais c'est gagné avec Kid Sprite sans trop de difficultés. Alors, les SP2 peut être facile à dexter. Eh bien, il se dexte plutôt bien, mais il peut être aussi très difficile à dexter. Ensuite, on a de très belles récompenses. Alors, vraiment pas mal dans ce coffre. Donc, nous avons eu 2000 éclats 5, 1000 éclats 6, 4000 éclats des cristals, métal et mutants. Donc, du TB5, du T5C et du T2A. Donc, assez sympathique. Assez sympathique. Maintenant, on va recommencer pour aller faire maintenant la deuxième avec Mephisto. Donc, on commence avec Mephisto. On se rappelle de la borne Icar. Et vous allez voir avec Kitty Pryde, la borne Icar. C'est un vrai jeu d'enfant. Il faudrait juste que Mephisto lance son SP et ce serait très bien. Voilà. Donc, pas mal. Puisque Mephisto gagne beaucoup en pouvoir lorsqu'il a son aura d'incinération, bien, le combat ne s'est pas passé aussi bien que je l'aurais souhaité. Mais vous voyez la différence avec Kitty Pryde. Donc, on devient invisible. On ne prend aucun dégât. Et ça, je crois que c'est dû à son éveil. Et voilà, donc vraiment pas plus compliqué que ça. Si vous avez Kitty Pryde, eh bien, amusez-vous. Vraiment, c'est très, très simple. Captain Marvel, MCU aussi, très simple pour la borne. Et pour la sorcière suprême, allons-y avec notre cher Dr. Doom. Et America Chavez, je crois que je vais la garder pour Ghost ou Kitty. Je crois que Kitty est vraiment une très bonne perso pour cette quête. Car je crois que c'est 10. Non, 8. 8 buffs de 8 buffs de furie, pardonnez-moi, avant le début des dégénérescences. Donc, si vous avez Monsieur Négatif aussi, très très bon personnage à avoir pour cette borne. Donc, il va régénérer sur les dégénérescences. Donc, je dois la renverser. Elle va devenir immunisée au debuff. Et elle risque d'être plutôt difficile lorsque nous allons arriver au 30% de santé restant. Donc, nous allons la renverser. Thank you.
Et j'aurais dû la renverser avant mon SP2. Le SP2 qui était imbloquable. Alors, c'était moins bien joué. Donc, allons-y avec Ghost. Sinon, par la suite, il ne me restera que Tigra. Donc, je dois réapprendre à jouer Ghost. Donc, on va la renverser et lancer un SP2. C'était suffisant, donc ça s'est bien joué. Ça n'était pas parfait, mais c'était bien joué. Donc, on a pris un KO sur America Chavez avec notre Kitty Pryde, malheureusement. Donc, c'est bien dommage. Et il nous reste Scarlet Witch. Donc, Scarlet Witch qui ne peut lancer que du SP2. On se rappelle des bornes rapidement, imbloquables, puissants. Le snack puissant conflicteur. Alors, on va tout simplement jouer Ghost normalement. Un petit brise-garde pour aller chercher quelques buffs. J'ai raté la Dex de son SP2. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Il me reste Tigra. Et si tout va bien, Tigra devrait... être assez puissante pour ce combat. Espérons-le du moins. Ah non! Ah là 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 là! Ok, donc... j'ai gagné mon combat avec une championne, donc ça me va. Donc c'était vraiment raté, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Et nous allons terminer maintenant avec Doom, sans trop de problèmes. Alors, la difficulté de la side quest, jusqu'à présent, semble être très 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 bien. Donc, encore une fois, ce mois-ci, on peut faire toutes les difficultés, si ça vous l'est dit. Bien sûr, prioriser la difficulté légendaire, si c'est ce qui est mieux pour vous. Donc, dans le coffre, d'autres T2A, d'autres cristaux, métal et mutant, du TB5 et du T5C. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo de la sidequest. Donc, à toutes les semaines, il y aura... quêtes qui seront disponibles, donc les lignes suivantes seront disponibles. Donc vous pouvez rejouer pour aller chercher vos missions avec les femmes si jamais vous ne les avez pas fait, mais les coffres n'y seront plus, donc vous ne pourrez pas récupérer cette récompense. Donc un T4C que l'on récupère et 500 éclats mythiques que l'on récupère aussi.
Donc, c'est parfait. Et ici, je crois qu'il y a deux récompenses à obtenir. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu sur comment fonctionne la side quest et le contenu qui s'y contient. Alors, c'est tout pour moi. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition des vidéos de Marvel Tournoi des Champions. C'était Alex et je vous souhaite une excellente journée.